Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do it. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau de suivre nos vidéos de Bob le camping-car. Là, dans cette vidéo, on va vous parler de notre voyage du mois de juillet 2020 en Aragon et en Navarre. Ça a été une superbe découverte. Et nous sommes rendus sur Ordesa, la vallée d'Ordesa, en fait, qui est le versant espagnol, pour ceux qui connaissent, de la brèche de Roland, le col de Roncevaux, Gavarnie. Vous avez donc ces magnifiques canyons d'Ordesa. Ensuite, nous avons été voir Torre Ciudad, qui est un lieu de pèlerinage, un lieu tout à fait insolite, entouré de magnifiques forêts et d'un grand réservoir d'eau aux couleurs émeraude. C'est à voir. Et enfin, premier point clé de notre destination, ça a été le village d'Alcázar, qui est perché dans les hauteurs. Nous sommes passés par Alcaniz, qui est un coin assez sympa. Au bord d'un lac, il y a un camping que je vous recommande. Ensuite à Cantavira, qui est un village qui est là aussi perché sur un promontoire, donc on a des magnifiques points de vue. C'est un village très très agréable et qui a une spécialité, en fait, c'est la culture et la commercialisation de truffes. Autre incontournable de l'Aragon, et nous l'avions bien identifié, c'est le village d'Albarracín. C'est une petite ville entourée de murailles. Ça a été un haut lieu de l'histoire, puisque, d'après ce que je crois en savoir, l'invasion des Maures s'est arrêtée à ce point clé, qui a été un point de résistance incroyable
à l'époque des guerres de religion. Encore un coin qui est incontournable, c'est le monastère de Piedra. La particularité de ce monastère, en dehors de l'aspect édifice, c'est un grand parc naturel aménagé au fil des siècles, dans lequel vous avez de multiples cascades. C'est rafraîchissant, surtout lorsqu'il fait chaud. Je peux vous dire que quand on y a été, on était pas loin des 40 degrés et on était super bien sous les arbres au bord de l'eau. Ça se trouve juste à côté de Nuevalos et grande chance que j'ai eue, et c'était un de mes objectifs cachés lors de ce voyage en Aragon, j'ai pu filmer des vautours dans leur milieu naturel de manière, je l'espère, la moins intrusive possible. Lieu incontournable, haut lieu de la, je crois savoir, hein, de l'escalade en Europe, c'est Malos de Riglos. Alors Malos de Riglos est un petit village, franchement, en soi, il n'y a pas grand chose à voir là-bas, hein. Vous avez deux commerces, une église, une trentaine de baraques, et puis vous avez fait le tour. Mais la grande particularité de ce site, c'est qu'il est situé au pied de pain de sucre,
comme ça que je vais les appeler, d'une couleur orangée magnifique, qui font pas moins de la hauteur de la tour Eiffel. Donc voilà, quand vous êtes vraiment au pied de ces falaises, c'est tout simplement somptueux. Lever de soleil en utilisant comme point d'intérêt en fait une pierre qui est miraculeusement en équilibre. C'est insolite, mais c'est pas pour autant que ça vaille le détour en soi, mais le coin est inspirant. Et enfin, gros incontournable, et ça pour ceux qui sont un peu initiés aux particularités qu'il y a à voir en Espagne, notamment dans le nord de l'Espagne, c'est le fameux désert des Bardenas, qui était incontournable pour nous, hein, près de Pampelune. Donc on s'y est arrêté sur les hauteurs, avec Bob le camping-car, on a fait le tour à petite vitesse, hein, parce que... en prenant la route la plus courte, il y a 2 heures de cheminement parce que vous roulez très très lentement. Et là, c'est pareil, c'est dépaysement total. Lorsqu'on dit que c'est un désert, je vous le garantis, c'est un désert quoi. Ça a des allures de Far West. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, là aussi, comme sur d'autres vidéos, c'est un petit témoignage de ce qu'on a pu apprécier à travers nos périples en camping-car. Voilà, pour ceux qui ont une destination choisie cet été et qui voudraient en savoir plus sur l'Aragon, etc., j'espère que ces images vous auront conforté dans votre choix. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui auraient envie, parce qu'ils ont un peu de temps,
d'aller découvrir un coin insolite, l'Aragon est fait pour vous, à condition, je le redis, que vous acceptiez de prendre le temps pour découvrir toutes ces merveilles, parce que ce ne sont pas forcément des lieux qui sont hyper fréquentés, hyper accessibles. Il nous arrivait parfois de rouler 2 heures sans voir personne. Parfois on se dit même, ouïaïaï, si je tombe en panne ici, j'ai plus qu'à donner mes coordonnées GPS parce qu'on ne sait pas sur quelle route on est rendu, on ne sait plus entre quel village on est. Voilà. Mais si vous n'avez pas peur de passer par ce type de trajet où vous allez être un peu seul au monde, et que donc par définition vous n'avez pas envie de prendre des bains de foule à tous les coins de rue, l'Aragon, c'est vraiment une destination magique. À bientôt, au revoir.